Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel. Alors voici une collection de classes prêtes à l'emploi qui vous permettra de personnaliser vos liens inline, de créer des boutons proposés par Timpanus CodeRops. Vous trouverez dans l'archive les modèles qui vous serviront de base et que vous pourrez donc modifier, adapter en regard du design de votre site. Pour le tutoriel, je vais me servir de WordPress. Alors, les avantages d'utiliser le CSS. Plus besoin de stocker certaines images comme des boutons par exemple sur le serveur. Le chargement des pages n'est pas alourdi par le poids des images. Vous pourrez, sans devoir éditer, voire refaire vos images pour faire vos boutons par exemple, modifier leur taille. Simplement en modifiant quelques lignes de CSS, vous changerez le style, les couleurs, les effets, etc. Ainsi, vous pourrez faire des adaptations pour d'autres projets. Bon, maintenant, si vous débutez, formez-vous au HTML5 et CSS3 en vous rendant sur le site du zéro, à cette adresse ici-là. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, nous nous rendons sur le site en question. Donc là, on va y revenir. Vous avez une démo. Je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Et là, vous pouvez télécharger donc l'archive. Bon, je vous invite quand même à aller jusqu'au bout de la page, mais elle est longue. Pour quand même rentrer plus avant dans les détails, car bon, c'est bien ce que nous allons faire, c'est une petite démonstration, mais ce qui est plus intéressant, c'est quand même d'apprendre, c'est aussi le but. Voilà. Bon. Alors ici, lorsque vous aurez téléchargé l'archive, que vous pourrez télécharger aussi à la suite de la vidéo, vous aurez ceci, cette page. Et bah voilà. Alors je vous laisse la consulter. Je vais m'arrêter simplement sur deux classes hein, qui m'intéressent pour créer des boutons. C'est tout, c'est simplement. Donc là, je vous laisse faire le tour. Alors, il ne s'agit que de classes CSS, hein, bien sûr, je le précise. Alors, j'ai fait le test sur pratiquement tous les navigateurs. Oui, bon, bah, il y a quelques différences, mais ça fonctionne très très bien. Alors maintenant, ici, là, je m'arrête pour la classe donc inline. Voilà ce que vous pouvez obtenir. Alors, tout est modifiable, bien sûr, hein. Donc ici, voilà. Il y a des trucs sympas, comme ici avec une petite flèche. Et tout ça, bien sûr, sans image. Alors, ici, vous avez du code donc pour les couleurs RGBA, hein, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Alors, nous allons dans quelques instants donc faire une démonstration avec cette classe ici, que j'ai trouvé bien pour WordPress du moins. Alors, bien sûr, je fais la démo concernant, enfin, là, c'est plus pratique qu'avec WordPress, mais c'est tout à fait adaptable sur n'importe quel site. Vous copiez donc et collez dans le fichier CSS de votre site, ce que je vais faire avec WordPress. Et ce deuxième, nous reviendrons dessus. Donc, on fera la démonstration aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors, vous en avez d'autres ici. Voilà. Alors, tout est modifiable, bien sûr, les couleurs. Bon, ben, tout est modifiable. Alors là, pour un input, c'est pas vilain. Voilà. Ici, un input style Mac. Gradient. Voilà, vous voyez. Toc, toc. Alors, ça c'est pas mal. Voilà, je vais taper n'importe quoi. Voilà. Toc. Voilà. Bien. Donc, nous avons dit. Nous allons faire déjà cette petite démo ici. Alors, pour ce faire, j'ai créé sur WordPress deux liens téléchargés. Voilà. Pour le premier style que je vous ai montré et le deuxième. Ensuite, je vous laisse faire le reste. Donc ici, j'utilise donc la feuille de style donc enfant de 2011 pour le parent donc 2011. Alors, je vais coller ici donc mes premières classes. Voilà. On met à jour. La classe s'appelle Métro ici. Hein. Bon, je me rends sur mon lien et ici, je vais taper ma classe. Alors,
Alors, vous tapez donc votre classe, pour ceux qui débutent, hein, à l'intérieur, bien sûr, de votre. Après la balise d'ouverture, donc du lien. Hein. Alors, bon, ici, ce n'est pas très très propre, car normalement, nous devrions avoir soit un paragraphe, donc une balise d'ouverture P et une balise de fermeture P, ou alors, on peut le mettre, mais à l'intérieur d'un div, hein, donc d'un bloc. Bon, ici, il n'y a rien de tout ça, mais c'est juste pour faire la démonstration, car ce qui nous intéresse ici, ce sont donc l'utilisation du style, donc la manière de placer les classes, c'est tout. Donc ici, il s'agissait donc de métro. La classe métro, je mets à jour. Alors, nous retournons sur la page de démonstration. Je la rafraîchis et voilà. Alors bien sûr, vous pouvez changer les couleurs. Alors, bon, c'est pas très beau d'avoir une décoration texte avec la petite ligne. Oui, mais ça, c'est parce que l'on est sur la feuille de style du parent du thème. Hein. Donc, bon, alors on va pallier à cela si vous rencontrez ce problème, parce que c'est vrai que pour un bouton, c'est pas très très beau. Donc, auquel cas, bon, je vais faire un simple copier-coller. Alors, nous allons prendre texte décoration none. Voilà. Que nous allons placer dans le hover. C'est l'effet rendu lorsque l'on passe la souris. Voilà, je mets le fichier à jour. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième style qui a retenu mon attention. Je descends. Alors ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, hop, je fais un copier. Je retourne sur ma feuille de style. Entre parenthèses, d'où l'intérêt de faire un thème enfant. Je ne saurais que trop le dire. Je mets à jour. Je rafraîchis ma page. Ah oui, je n'ai pas mis la classe. Donc, ici, il s'agit de la classe Borderland Link. Alors, on va faire un copier. Hop. Et ici, pareil, je tape ma classe. Voilà. On met à jour. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Bon, allez, on va supprimer la décoration texte. Alors, même chose. Je vais prendre mon petit bout de CSS, copier, texte décoration none, je descends et je cherche le hover, voilà, ici. Voilà, hop, on rafraîchit, et voilà. Alors bien sûr, vous pouvez changer ici les couleurs. Voilà, si je souhaitais, bon, bien, moi c'est plutôt dans les tons de vert sur mon site, et bien je mettrais le background en vert par exemple. Hein. Bon, tout ça c'est parfaitement modifiable. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!